Tout le monde, c'est Miller7, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite comme d'habitude sur Soulmonde. On se retrouve pour la boutique hebdomadaire comme tous les dimanches. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire ce qu'il y a. Vous le savez déjà, normalement je l'ai dit et tout. Mais ça va être intéressant quand même de voir l'émission du jour, etc. d'aujourd'hui. Désolé d'ailleurs si hier j'ai pas sorti de vidéo. Et bien du coup j'ai quand même fait un petit live de 8 heures. Watch class d'équipe, justement pour avoir des récompenses, pardon, Elite 1. J'ai fait 50 060, non, 52 060 points. Donc j'ai clairement fait mieux que la semaine dernière du coup. Parce que j'avais, ouais. On va pas parler de FIFA sur cette vidéo là, évidemment je vais en parler dans la prochaine directement, donc tout à l'heure en début d'après-midi ou quoi. Là pour l'instant je vais faire du Sauver le Monde ce matin je pense, donc c'est plutôt sympa. Donc fusil à tube en épique, ça c'est plutôt pas mal, je rigole évidemment. Mais aujourd'hui il y a des missions intéressantes, mais je crois que je suis déjà passé dessus. Enfin, il y a de la mission V-Bug quoi en soi, mais je crois que là je les ai loupés. Ou c'est peut-être Capic, je sais pas. J'ai allé check sur Discord, ça ira plus vite parce que sinon je vais chercher dans le vent. Ouais, non, non, ça va, il n'y a pas Villeblanche ou Villeblanche. Villeblanche. Il n'y a pas Fontainebleau ou Villeblanche, j'ai pas loupé. Petite trancheuse en épique, c'est pas mal. Tsunami en épique. Extracteur, exacteur en épique. Piumuro en légendaire. Plafond extracteur en épique. Le charron en épique. C'est des schémas pas vraiment ouf, tu vois. Libérateur légendaire, ouais, c'est pas vraiment des trucs ouf quoi. Et donc la mission V-Buck, la première, vu qu'il y en a deux seulement aujourd'hui. Hier il y en avait trois. Le jour d'avant il y en avait deux. Enfin, bref, il y en a tous les jours de nouveau. Hein. Ah. Désolé si vous m'entendez bailler, mais j'ai pas vraiment dormi. Donc c'est une réparer le refuge en ville en Tomal, donc pourquoi pas. Pour farmer ça peut être intéressant. Là il y a un petit faux anéant en épique également. Ils aiment bien mettre ce genre d'armes. Donc là il y a un petit 200 manuel à se faire hein, si vous voulez, avec un survivant épique et un leader épique. Pour Théo ça peut être intéressant. S'il joue aujourd'hui, je vais lui dire de le faire. En même temps il aura un leader épique pour ses débuts, ça peut être intéressant. Bon, il faudrait qu'ils comprennent comment placer ces survivants, mais plafond électrocuteur légendaire, d'ardeur épique, ça peut être pas mal. Chacal en épique. Et... Non, attends, c'est encore un plafond électrocuteur. Non, plafond toxique. Plafond toxique ouais, en épique, j'ai dit. Après, il y avait un autre. Dancy en légendaire. Perforateur en légendaire. Sur un épique, deuxième mission bébé qui est là du coup, c'est en parc industriel cette fois-ci, 40 tickets ARX ou des V-Bucks, mais bon si vous le faites c'est plus pour les V-Bucks hein, j'imagine, mais c'est que ceux qui ont les packs fondateurs qui les ont du coup, donc ça c'est depuis un an et demi, c'est assez chiant. Ah, donc voilà, donc aujourd'hui ça fait 75 V-Bucks ouais, aujourd'hui, donc c'est pas fifou. Donc là petit x4 foudre en bouteille, x4 fragment de tempête, les deux là ont 116 4 joueurs, ça donne du x4 plutôt intéressant, même si les fragments au final c'est pas non plus le truc que tu recherches le plus. Là pour les DQ épiques ça peut être intéressant vu qu'il y a 256 plus x2 et x2 avec des DQ légers également, donc ça peut être une mission intéressante mais sans plus quoi. D'ardeur à lunettes en légendaire, petit x4 fragment encore une fois, et un x4 foudre encore une fois, donc foudre et truc en 132 4 joueurs, il y a deux récompenses plutôt intéressantes. 90 gouttes de pluie, tac tac tac, en 140 il y a quoi, il y a x4 récupérateur avec 276 DQ épique, x4 fragment encore une fois avec 369 récupérateur, 225 pardon, décuplateur lège également,
Après, on arrive sur les 160 avec un 415 récupérateur avec un x5 XP de schéma, c'est pas fifou. 38 fragments avec x5 XP de schéma, c'est pas fifou. Celle-là, elle doit être, c'est la plus intéressante, hein. Du coup, x5 fond en bouteille avec 250 d'éculège. Et pour se finir, 300 d'écu épique avec x5 XP de héros. C'est vraiment une journée pas ouf en termes de 140 et 160. On va pas se mentir que c'est pas les plus intéressantes. On va voir si on a aventure, il y a des missions peut-être un peu plus intéressantes. Il y a un Kyle constructeur balèze qui peut être intéressant. Si vous savez pas ce qu'il fait, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, il y a un x4 fragment avec 184 gouttes de pluie également. x4 fragments de tempête. Ils aiment bien mettre les fragments de tempête, hein, j'ai l'impression. Petit charcuteur en épique. Petit fusil d'assaut. À hélium en épique, un marteleur en légendaire, voilà, un petit 143 gouttes de pluie ici, et un petit 297 récupérateur ici également. Ouais, désolé, je suis mort. Pour ceux qui savent pas ce qu'il fait balèze, je sais même pas si je l'ai en double. Je regarde s'il est là, regardez, constructeur balèze. Bon, pour ceux qui veulent savoir, alors éliminer des ennemis se trouvant sur des structures affectées par la base génère des charges. Au bout de 30 charges, la base produit une explosion qui repousse les zombies, enfin les ennemis, pardon, et inflige 89 points de dégâts d'énergie de base dans un rayon de 5 carrés. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, moi je l'ai déjà en double, donc je pense pas le faire, sauf si je fais de l'aventure, et pourquoi pas, je vais quand même le faire la mission. Moi, ça fait des manuels d'entraînement si je recycle. Donc aujourd'hui en boutique, il y a du coup Crépuscule la sanguine. Donc c'est le héros cauchemar que je vous avais dit qu'il allait sortir. Et il y a également le pistolet fantôme. C'est un bug, hein, je l'ai acheté. C'est juste un bug d'affichage. Je les ai achetés, hein, les deux, ne vous inquiétez pas. Ils vont partir tout de suite en collection parce que je vais pas la jouer. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'elle fait, elle, c'est ça, quand tu fais bon éclipse, ça traverse les zombies, ça leur fait des dégâts. Ah non, pas du tout. Attends, quoi? Pas du tout. J'ai dit de la merde, ça te rajoute des PV en fait. Traverser les ennemis avec bon éclipse guérit 30, 36. Ça guérit 36 PV en de base par ennemi traversé. Ah oui, ça fait pas du tout de dégâts en fait, c'est juste ça te rend des PV, quoi. Ok. Mais je connais rien à ce monde en fait. Je connais même pas les héros, ce qu'ils font. Et le pistolet fantôme, bon bah j'ai pas besoin de vous dire ce que ça fait, hein. Ça traverse les murs, tout ça. C'est un pistolet plutôt intéressant, mais ça part en collection également vu que je vais pas les jouer. Du coup, je passe mon niveau de collection. J'ai encore des flux légendaires, c'est plutôt intéressant. Et des culèges aussi. Je passe même deux niveaux de collection. Je suis toujours pas 500 piles, hein. Franchement, j'aimerais bien passer. Donc, du coup, on a eu le petit truc. Là, on commence à tout avoir, hein, de nouveau, c'est plutôt satisfaisant. Et là, du coup, on arrive sur les cauchemars. Ici, on commence à tout avoir, vous avez vu. Elle est là, la sanguine. Donc, j'imagine que Isa Groalen, elle va sortir en mission soit mardi qui vient, ou soit le mardi encore d'après. J'imagine c'est plus ce mardi-là. J'espère, en tout cas. Au moins, je peux finir ma collection et avoir tous les héros cauchemars. Ça peut être intéressant. Et lui, il sort du coup la semaine d'après aussi, ou encore d'après, je sais pas, mais du coup, je les aurai tous. Donc, ça peut être intéressant. Après, on attaquera les héros de Noël, et après, on aura de nouveau tout dans la collection, vous voyez. Hein. Ça, on a tout. Pharaon là. Après, ouais, il manque les héros d'espionnage aussi qu'il faudrait que j'aie. E2, bah E3, je les ai. Corbeau, il sort la semaine prochaine, si je me trompe pas. La semaine d'après, je sais plus, mais je pense là, c'est dimanche prochain. Faudrait que je regarde sur le truc de nouveau. Ça, je les ai tous, hein, sauf Garrigan. Ça fait plaisir. La petite Cassie aussi, qu'il faut qu'elle sorte, je l'ai pas encore. Les trucs de Noël, bon, bah, je les ai pas, hein, malheureusement.
Bon, sur l'autre compte, j'avais que Jonesy et Penny, hein, donc en soi, dans l'idée, c'est pas très grave. Hein. ED, je les ai. Lars, bim, boum, bam, boum, bim. Oh, ça fait... Mais ça me fout trop le seum depuis avoir ces 4 packs là. Enfin, ces 3 là, du coup, vu que Mina, je l'ai. Ils en focus vachement les constructeurs là ces derniers temps. Il y a 3 packs de constructeurs. Mais du coup, ouais, ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. N'oubliez pas, hein, toujours, qu'il y a un récupérateur fondamental cette semaine. Pourquoi pas si vous voulez le faire. Et du coup, depuis jeudi également, il y a la petite Sigouet qui est encore 3 jours disponible. Donc ça va, vous avez encore un peu le temps pour l'avoir. Donc c'est plutôt cool. Mais du coup, je vais vous laisser là-dessus. Parce que je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Du coup, je vous laisse là-dessus. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo. Et sinon, à tout à l'heure aussi pour une vidéo FIFA, évidemment, n'oubliez pas. Donc, et n'hésitez pas aussi, pardon, à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter et Discord, le plus important. Discord pour discuter à l'ensemble des membres. Pour l'instant, on n'est pas trop, il n'est pas actif. Il faudrait parler un peu. Mais en soi, c'est plutôt intéressant. Si vous rejoignez d'ailleurs, normalement la semaine. Bah là, il y a les vacances scolaires là pour certains, non? Je sais qu'en Belgique, il y a les vacances scolaires. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine d'après. Mais de ce qu'on m'a dit, normalement. Ce qu'elle m'a dit, normalement, elle a ça donc. Donc c'est plutôt cool, tu vois. Voilà, donc c'est tout. Donc n'hésitez pas à faire tout ça me ferait plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne. Et voilà, tout ça. Mais ça, je devrais le dire en début de vidéo parce que personne n'ira jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Ciao.